Yo les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Taser. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les potos, où dans cette vidéo on va parler cash, on va parler sérieux. Parce que les gars là, ça va pas être une vidéo humour etc, mais ça va être vraiment une vidéo là. On va regrouper tout ce qui s'est passé là, de dimanche, ouais, lundi, enfin ce que tu veux, jusqu'à maintenant, et j'espère que j'aurai toute votre attention sur ma vidéo. Alors je sais que les vidéos de 20 minutes ça ne vous plaît pas etc, mais là je vous demanderai vraiment de rester quand on va vraiment parler là de ma chaîne YouTube. Et là c'est un peu la galère, voilà hein, c'est la merde. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, d'accord, expliquer tout ce qui s'est passé. Alors les gars, en fait ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait en gros, je sais plus là quand j'ai arrêté ma chaîne, mais en gros quand j'ai arrêté ma chaîne YouTube les potes, je voulais prendre une pause, voilà, une pause sans rien dire à personne, et vraiment pour rester un peu comment dirais-je, pour rester un peu seul, prendre du recul par rapport à YouTube. Parce qu'il faut savoir que YouTube les gars, je fais ça quand même tous les jours. Vous avez un live tous les jours, vous avez une vidéo tous les jours. Donc voilà, j'ai besoin de prendre ce recul par rapport aussi aux abonnés inactifs. Mais en fait tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait les potos, tout à l'heure quand j'ai essayé de simplement de réactiver ma chaîne YouTube, donc je l'avais mis en masqué en fait, je n'ai pas tilté ça, mais ça c'est totalement de ma faute. Voilà, c'est maintenant il va falloir que là, je galère, ouais, pour hein. Voilà, donc ce qui s'est passé en gros les potos, c'est que je sais pas, mais en gros comme ma chaîne était désactivée, à chaque abonné qui voulait venir sur ma chaîne, limite YouTube m'enfonçait en disant cette chaîne n'est plus active etc, vous pouvez vous désabonner, en gros elle ne sert plus à rien cette chaîne YouTube, et basta, vous pouvez partir et tout. En gros c'est ça qu'il disait le message. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont donc désabonnés, ce que je comprends totalement. Non pardon, what, mais qui sait plus. À savoir qu'en fait ce qui s'est passé, et là il va falloir que vous m'écoutiez, c'est qu'en gros YouTube vous a désabonné automatiquement de ma chaîne YouTube. Vu que pour YouTube c'est comme si j'avais en gros une chaîne désactivée, que j'étais plus sur YouTube. Or j'y étais, mais ma chaîne, comme vous l'aurez compris maintenant je pense, a été désactivée. Donc voilà ce qui s'est passé les potos, c'est ça, c'est qu'il y a eu un gros désabonnement général. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui actuellement dans mon groupe que j'ai créé, pour qu'un maximum de personnes soient au courant de ce qui se passe, tout simplement me répondent et font ce que je leur demande pour tout simplement m'aider. Donc je vous remercie à toutes les personnes qui font ça, c'est vraiment très sympa de votre part. Et voilà, donc ce qui s'est passé les potos, c'est que c'est redescendu à 76 abonnés, et YouTube m'a dit en fait que j'avais perdu 509 abonnés. Et en fait ça vous a désabonné automatiquement de ma chaîne YouTube. En faisant cette vidéo les potos, je ne sais pas tout simplement si je vais pouvoir continuer ce que je fais. C'est pour ça que je fais appel à vous et que je vais essayer un maximum que beaucoup de personnes voient cette vidéo, etc etc. Et voilà, au moins j'ai envie de vous dire, ça m'a mis un petit peu un coup de pied au cul, et ça m'a voilà montré que des fois sur un coup de tête on peut prendre des décisions sans vraiment regarder le fond du truc et ne pas savoir dans quoi on s'engage. Et du coup ça vous fait faire plein de conneries. Donc voilà les gars, donc j'espère que vous comprenez le fond. Maintenant je vais vous demander à tous et à toutes, alors déjà je vais demander à mes abonnés, ceux qui sont encore heureusement ou malheureusement pour vous, vous voyez par vous même qui sont encore abonnés à ma chaîne YouTube, j'aimerais vraiment que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est que ça serait que vous tout simplement, si jamais vous avez, je sais pas moi, des abonnés à moi en ami, vous savez des fois sur les lives on fait des rencontres et puis ah t'es l'abonné tel et tel, ah ben on s'ajoute et boum. Je vous demanderai vraiment d'essayer les potos
qu'on remonte tout ça. Alors je sais très bien, au fond de moi, je sais très bien que je ne vais jamais reprendre mes abonnés. Enfin, si, je vais les reprendre, je suis bien obligé, tu te doutes bien. Mais je sais pertinemment que je ne vais pas les reprendre tout de suite. Il va falloir du temps. Le temps, je ne l'ai pas forcément, je ne vais pas vous mentir, hein, parce que voilà, ces vacances-là, ils servaient tout simplement à prendre des vacances, enfin, à prendre des abonnés et tout, et en fait, ça fait l'effet inverse. Du coup, les potos, je vous demanderai vraiment de partager, voilà, un peu ma chaîne, tu vois, de dire à, je sais pas si vous connaissez des abos de votre côté, de dire, ouais, mec. Taser, il a plus de chaîne. Enfin, expliquez-leur ce que je suis en train de vous expliquer là, pour essayer de simplement qu'un maximum de personnes puissent se réabonner. Donc voilà, en gros les potos, pour ceux qui passent par là, c'est-à-dire s'il y a des abonnés, et ça se peut, hein, vous savez, des abonnés qui voient juste cette vidéo, mais les gars, sachez un petit truc, les potes, c'est que vous n'êtes plus abonné à ma chaîne YouTube. Et pour cela, c'est simple, en voyant cette vidéo, j'aimerais tout simplement que, en regardant cette vidéo, vous... Comment expliquer ça? Ouais, vous vous réabonnez en fait. Et ça me ferait le plus grand des plaisirs, tout simplement. Donc voilà, ça va être compliqué tout ça. Ça va être très compliqué. Mais je compte sur vous, les potos. Voilà, même si vous connaissez voilà, des abonnés, etc., que vous les voyez pas co, n'hésitez vraiment pas à leur envoyer un message pour leur expliquer. Pour bien leur dire les potos, voilà, je vous le répète encore une fois. Si vous voulez vous réabonner à ma chaîne, il faut marquer Taser officiel sur la barre de recherche. Vous prenez un ancien live Fortnite à moi ou une ancienne vidéo à moi qui est rendue publique. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur ma chaîne et normalement, vous serez désabonné automatiquement. Donc vous rappuyez sur s'abonner, vous activez la cloche comme d'habitude. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura... Ben, permis de vous réabonner peut-être. Voilà, je vais pas vous mentir que dans ces prochains jours ça va être compliqué. J'ai l'impression que je recommence totalement un univers et une aventure YouTube. Donc ça va être compliqué. Et voilà. Bref, en tout cas les potes, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Voilà, sur ce les potes, c'était Taser. Ciao.